Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la partie couture de notre salopette. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur comment tracer le patron, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. C'est une continuité de la vidéo précédente. Donc voilà, avant de commencer, si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et bien sûr à t'abonner. C'est gratuit. Il faut juste faire un petit clic-clic là et puis c'est bon. OK? Donc voilà. Mon patron, je vous montre ici, comme je vous l'ai dit, ça a déjà été tracé dans la vidéo précédente. Voilà à quoi il ressemble. OK. Maintenant, je vais passer à la coupe. J'ai oublié de vous dire de rajouter des poches. C'est vraiment facultatif. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à ajouter des poches à votre salopette. Je pense même que c'est indispensable parce que on a toujours tendance, quand on a un pantalon, de mettre les mains, en tout cas pour ma part, de mettre les mains dans les poches. Donc, n'hésitez pas à ajouter des poches, soit des poches plaquées, soit des poches italiennes. Bref, une poche. OK? Voilà, mon patron, voilà à quoi il ressemble une fois terminé. Donc là, ce sont les parementures du dos et du devant. Comme je l'avais dit, la parementure du devant chez les coupeurs, en laissant bien sûr une couture au milieu. Et par contre, pour le milieu devant, j'ai mis sur le pli du tissu. OK, allez, on passe à l'assemblage. J'ai déjà posé mes patrons sur du tissu. J'ai coupé mes parementures également dans le même tissu. Vous pouvez même jouer ici avec des tissus différents. Hein. Vraiment, je pense que ça pourrait donner un bon rendu. OK? Alors, je vais aller coudre d'abord les coutures du milieu. OK? Une fois que j'ai cousu, là, comme ceci. D'accord? Je vais aller passer un coup de fouet très important de repasser toujours lorsque vous cousez. Très important. Alors, ensuite, je vais prendre mes deux parties. Je vais mettre endroit contre endroit. Et je vais coudre les coutures de côté. Vous verrez que le montage, il est vraiment facile. Hein? Une fois que j'ai cousu les coutures de côté, je vais coudre également les coutures des entrejambes. Je mets les épingles autant que je souhaite. J'ai oublié de vous dire aussi, vérifiez d'abord votre patron avant de couper. Il faut que les coutures, oh non, les lignes des entrejambes soient vraiment identiques. Il ne faut pas qu'il y ait un qui dépasse l'autre, sinon vous aurez un patron un petit peu déformé. Alors, je passe à la couture. Je passe à la couture à 1 cm du bord. Une fois que c'est, je vais aller passer un coup de fer sur mes coutures. Ensuite, je vais m'occuper de la parementure. Ici, je l'ai déjà coupée, je l'ai déjà assemblée. Donc, voilà. Je vais dégarnir un petit peu tout ce qui dépasse. Et je vais le poser sur ma salopette. Donc, le devant avec le devant, bien sûr, et le dos avec le devant. Avant de poser ma parementure, en amont, j'ai réalisé mes bretelles. Alors, pour la largeur de mes bretelles, j'ai pris 5 cm et la longueur, bah, j'ai pris, je pense,
qu'est-ce que je dis, pas 70, 30, non, 40 cm. Maintenant, c'est à vous de voir un petit peu la longueur que vous souhaitez. Donc, prenez un peu plus grand et s'il faut ajuster, bah, vous ajustez. Moi, je l'ai noué. Donc, si vous ne voulez pas le nouer, mesurez bien la longueur que vous souhaitez pour vos bretelles. Si vous voulez la nouer, vous prenez un peu plus. Et si vous ne voulez pas la nouer, bah, vous mesurez vraiment la longueur que vous souhaitez. Ensuite, je vais donc poser mes bretelles sur mes parties dos et devant en faisant attention de laisser les valeurs de couture de chaque côté sur ma salopette d'or, parce que quand on va le coudre, pour que la bretelle soit prise dans la couture. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'ai posé mes bretelles sur la salopette. Maintenant, je vais poser ma parementure comme ceci. Et je vais aller coudre tout autour à 1 cm. Et en faisant comme ça, ça va bien finir ma salopette. On aura une finition propre et bien finie. J'ai cherché un autre mot, mais en fait, il n'y en a pas. Voilà, une fois que j'ai cousu ma parementure sur mon vêtement, je vais cranter un petit peu en faisant attention de ne pas couper dans la couture, bien sûr. Et je vais retourner délicatement pour ne pas déchirer mon vêtement. Voilà, je retourne. S'il y a des surplus, n'hésitez pas à cranter un peu plus, toujours en faisant attention de ne pas couper dans la couture. N'oubliez pas, ici je ne l'ai pas dit, mais il faut thermocoller vos parementures. D'accord? Comme ça, elles auront une bonne tenue. Voilà, je retourne tout ça et je vais aller passer un coup de fer. Et voilà le résultat sur ma petite mademoiselle. J'adore trop, je sais pas quoi. Vivement l'été, quoi. Les beaux jours arrivent là, il faut que... Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez réaliser le vôtre. N'hésitez pas à me partager vos réalisations si jamais vous réalisez le vôtre. J'ai fait deux versions. Vous voyez, j'ai fait la version avec bretelles et la version sans bretelles. Un peu année. Vous voyez, les tissus font un peu année 1900. Ouais, là. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle version est-ce que vous préférez et voilà, j'attends vos commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer la version 2 qui est là. Non. La version 2, bon, ici, faites pas attention, hein, je n'ai pas fini. Je ne voulais pas mettre des manches, donc je n'ai pas fait des parementures à ce niveau-là. Voilà. Pour la version 2, il y a une couture au milieu du dos. Vous pouvez la porter avec ou sans ceinture. Comme elle est quand même assez ample, vous pouvez porter avec ou sans ceinture. Et voilà, c'est tout pour moi. Voilà le résultat porté sur moi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis in love. Et regardez les poses.
Voilà alors ce que je vous disais, la main dans la poche. Ah, est-ce qu'on peut taper le style comme ça? Donc voilà, je peux. Ici, je ne vais pas porter de ceinture. Oui, regarde alors, la danse, de, toujours la petite danse de la joie, c'est très important. Donc je disais, je ne l'ai pas porté avec la ceinture, mais comme je l'ai dit, vous pouvez porter avec ou sans ceinture. Et voilà, peut-être que je ferai la version 2, mais ça, je ne suis pas certaine. Ah, ah, regardez alors le style. On peut taper le style et son... Ah, et pardon, ne regardez pas trop. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.